sensibilisation et de mobilisation pour la plantation des arbres et l'institutionnalisation d'une journée de salubrité, je me fais le devoir de vous inviter à participer massivement à ces deux grandes actions citoyennes. Notre rencontre hier avec Madame la Première Dame témoigne de l'importance qu'accordent les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Idriss Déby Itno, à la protection de l'environnement et à l'assainissement de notre capitale. C'est pourquoi il est mis un accent particulier sur les actions concrètes à mener pour combattre ces deux menaces. La première action citoyenne pour lutter efficacement contre les phénomènes de désertification consiste à ce que chaque citoyen puisse planter obligatoirement 3 plantes, au moins 2 devant la concession et 1 arbre dans la concession. La deuxième action citoyenne consiste à assainir notre chère capitale qui est connue de tous pour son insalubrité, maintes fois dénoncée par les plus hautes autorités du pays. Désolant, il est institué désormais une journée obligatoire de salubrité chaque samedi de 5h à 8h. La teneur de ce communiqué de la mairie de N'Djamena, il est porté à la connaissance des commerçants des différents marchés de la ville de N'Djamena, que tous les samedis de 5h à 10h, la commune de la ville de N'Djamena procédera à la salubrité des 10 marchés. À cet effet, Madame le maire de la ville de N'Djamena informe les usagers et les commerçants que les marchés doivent s'ouvrir à partir des 10h. Le maire compte sur l'esprit civique de tous ses concitoyens. Madame le maire de la ville de N'Djamena porte également la connaissance de ses concitoyens que dans l'esprit de maintenir la ville propre, il est institué une journée de salubrité dans la ville de N'Djamena tous les samedis de 5h à 8h. À cet effet, chaque citoyen est invité à nettoyer la devanture de sa maison ou de sa boutique pour permettre à chacun de nettoyer dans la quiétude. La circulation des engins est strictement interdite à ces heures-là et les boutiques doivent être également fermées. Le maire compte sur l'esprit civique de tous ses concitoyens. Mariama Djimé Ibet.